Salut tout le monde, c'est Ganius, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 30 de Pokémon version Cristal Liquide. Et après la ligue, après avoir vaincu cette ligue avec en compagnie de Nutiteuf, eh bien aujourd'hui nous nous retrouvons à Azuria pour une raison qui m'est complètement inconnue. Nous allons découvrir pourquoi on se rend justement dans cette ville. Et comment? Non, pourquoi? Alors juste un truc, avant j'ai juste renommé un Pokémon, voilà, Suki, je l'ai appelé pour une amie. Est-ce que tu collectionnes les badges de Kanto? Ouais, je vais pas tarder à les faire, à le faire plutôt. Ah, lui il vend des pierres, ok, Pierrot. Vous savez, c'est un peu les gens qui vendent comme ça là dans la rue, c'est un peu bizarre. Hein. Donc là il y a une grotte, mais visiblement je peux pas y aller. Ça c'est quoi? Ah, la police. D'accord. Alors là. Ok, c'est un sablette. Bon là on entre dans la partie Kanto. Bon, peut-être qu'il manque des trucs parce que c'est la police, mais visiblement à moins que ça soit la maison que la police a sauvé de des mains des voleurs de la Team Rocket. Alors on peut aller là. On peut pas aller là. Alors il y a une arène. Est-ce qu'on peut la faire? Ça serait cool. Ouais, visiblement il n'y a pas de raison. Si, à mon avis il est pas là. Ouais, voilà. Vu qu'il n'y a personne, ça semblait un peu louche. Ok. Tu dis quoi toi? Je suis un grand fan de Ondine. Pas intéressant. Ah d'accord, c'est fermé. D'accord. La musique de la route 5. Donc là on reconnaît la pension Pokémon. Yeah. Ah, c'est tout pour repousser les Pokémon, je crois. Comment s'appelle déjà ce truc? Le truc qu'on nous donne là. On le donne mon Memoria dans la version Emeraude. Bon, je le dis, cet épisode risque d'être assez court, malheureusement. J'ai pas trop le temps d'en tourner. Oh non! Eux, je crois que c'est les développeurs. Je crois que je vais pas les faire en fait. À mon avis. Ouais, il y a des bugs là. Bon. Ben, je pense que j'aurais pas dû arriver dans cette ville, mais bon, je l'ai fait. Tant pis. Bon, on va repartir. On va retourner à Azuria. Et on va aller au nord. Ouais, c'était au nord que je voulais aller. Ah! Toi encore! Tu es venu à Kanto? Je pensais que quelqu'un comme toi voudrait prendre. Enfin, avoir les badges de Kanto, quoi. Maintenant. Bien. J'ai aussi défié. Je veux aussi. J'ai aussi défié les arènes de Kanto. Je pense que je suis. Prêt maintenant. Oula. S'il est pas niveau 60. Enfin, à mon avis, 60, ça me serait pas étonnant. Ouais, voilà. Ok. Bon, là, on va vite changer. Tac. On va prendre. Typhlosion, tiens. En fait, tous les Pokémon que j'ai, je pense qu'ils peuvent l'avoir. Sauf Tartar. Qui est de type eau. Allez. Ah oui, quand même. Ah ouais, non, mais j'aurais pas dû faire ça. Il y a de la pluie, j'avais oublié. Ça, c'est embêtant par contre. On va changer. On va amener notre coco. Ah, danse-lame, bien évidemment.
puisse quand je change. Pétard, allez, mets le chaos, je t'en supplie. Bon, attention, il peut faire strato-percute quand il veut, ça me mettra pas chaos, ça c'est sûr et certain. Voilà, normalement il devrait se soigner. Bon, en plus il est confus, alors là j'ai de la chance. Ça c'est bien. Quoi? Ah, reste, ça va. J'ai cru que c'était la béquica, j'allais dire non. Chance qu'il a. Bon, de toute façon, a priori il pourra pas attaquer parce que je suis plus rapide que lui. Donc ça ne servait à rien de. Comment dire. Ah non, non, c'est lui qui est plus rapide que moi, pardon. Donc là, ça va être à lui d'attaquer. Sauf qu'il est confus. C'est pas très grave. Espérant qu'il se blesse dans sa confusion. Ouais, c'est bon. Voilà, et comme il est très bon en attaque, eh ben, il perd, prend beaucoup de dégâts. Ah, c'est vrai qu'il y a le multi-ex aussi. Loclas. Loclas, Loclas, Loclas. Loclas, bah écoutez, Suki, à toi de jouer. Bon, on va faire un petit psycho. Je voudrais pas lui faire du bien, je pense. On va voir comment il va réagir. Ah oui, quand même, il réagit assez bien. Non, mais là, il va se... Voilà, c'est pas mal ça. On va essayer de le paralyser. Ils ont tous des restes ou quoi? Attendez, il m'a fait... On va faire Draco Souffle. Voilà, paralysé. Voilà, et maintenant on va refaire le psycho. Bon, sauf qu'à chaque fois il se soigne avec ses restes. On la connaît. C'est-à-dire que lui, ce dresseur, quoi, au début il avait qu'un Porygon inoffensif. C'était drôle. C'était marrant. Mais bon. Maintenant il a changé, il doit encore avoir son Porygon 2. Ça c'est pas efficace du tout. À mon avis, il souhaite me paralyser. Et il a échoué. Allez, au prochain tour il est KO lui. Donc normalement, là je tourne cet épisode le vendredi 22 mars 2013 et je pense que vous aurez l'épisode demain, c'est-à-dire le 23, a priori. Heracross, donc c'est l'autre là, Scarino, on va faire Psycho. Psycho ou Vol? Non, il doit être peut-être meilleur en défense, on va plutôt faire une attaque spéciale. Normalement il devrait être KO. Ah non. Je sais pas si Vol ça l'aurait mis KO, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Au pire, on peut le faire. Ah, s'il rate. Non, non, on va pas tenter le diable. Bon, on fait un Draco Souffle, quoi. Ça va le mettre KO, j'espère. Ouais, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Et Porygon 2. Porygon 2, j'amène horreur. A toi de jouer, on va faire un petit... Ah non mince, il est normal. Zut, je pensais qu'il était psy, je suis bête. Écoute, voilà, fais dodo. C'est tout ce que je peux te proposer là en fait. J'ai pas d'attaque... d'attaque psy direct, comme un psycho quoi. J'aurais peut-être pu le récupérer... Non, je pouvais pas le récupérer à Safrania parce que... Il y a normalement la team Saturne qui nous bloque. Donc voilà, des vos rêves. Bon, en tout cas, en allant en haut, normalement, on devrait peut-être voir Ondine. A priori. Puisque dans les versions... Alors, j'ai jamais joué à la version cristal. Enfin, je l'ai jamais fini, du moins. Et donc, je sais pas si c'est normal qu'on arrive à Azuria, je doute. Hein. Je doute que ce soit normal. Mais bon. Vous savez quoi? On va faire ça. Pas grave, je me sacrifie un petit peu. Je vais lui enlever des PV au fur et à mesure. Voilà, donc je ne sais pas si on est censé se retrouver à Azuria, je pense pas. En tout cas, est-ce que les événements sont pareils que dans la version cristal originale? Je n'en sais rien. On verra bien de toute façon. Pardon.
Voilà, j'attaque avant lui. Donc ça, ça va pas lui faire du bien. Peut-être qu'il va se réveiller après, mais normalement il va être KO. Avec la malédiction, non? Ah non. Ah bah il dort encore, bah écoutez. Bon, il peut utiliser une super potion, une hyper potion. Hein. Ah, quoique, là les restes. Ouais, ce sera dans la bouche forcément. Ouais, c'est bon, il est KO. Très bien. Et ouais, donc bah écoutez, ça a l'air d'être encore une histoire passionnante. Bon, déjà, les niveaux sont à peu près équilibrés. Parce que je sais que le. Ah, cauchemar, ça c'est pas mal aussi. Ça c'est pas mal. J'aime bien cauchemar. Ah, tant pis, je vais enlever ça. Cauchemar, en fait, il faut endormir le Pokémon et chaque tour il perd des PV. Mais pas mal quand même. Il est dans un cauchemar donc il est tourmenté. C'est pas pour Abam ça? Non, je dis peut-être une bêtise. Je sais plus. Bon, on va amener Mangrif, il fait que niveau 49. Ah oui, bah oui, je dis des bêtises. J'aurais pu mettre Tartare. Bon, on fait un petit coup de danse là. Mais... Aïe aïe aïe. Je crains le pire. Nous, de toute façon, on va faire tranche. Ça, c'est sûr. Mais je sens soit le lance-soleil. Soit... Oh, le lance-soleil, ce serait un peu débile. Hé hé. Allez, on va voir ce que t'allais faire. Ah, bah oui, lance-soleil. Il pourrait faire une attaque feu en fait. Bon, c'est pas grave. Je pense pas mourir. Enfin, on va voir. Ouais, niveau 60 quand même. Mais ouais, mais voilà, mais. Je suis sûr que j'avais une chance. Et il me fait un coup critique. Ah, mais l'ensoleil, il va être content là. On le tente? Je sais pas, dans ce puits. De toute façon, j'attaquerai jamais avant, c'est possible. Oh, bah. L'intelligence de Zane. Ma foi. Allez savoir. Allez, mets le KO. C'est possible? Ah, presque. On va faire surf. S'il attaque l'ensoleil, tant pis. Non, il se soigne, d'accord. Dommage que j'ai pas d'ensoleil. Mais je pense que le. Les rayons vont se. Va commencer à s'affaiblir là. Ça fait pas mal de tours. Ah ouais, la différence entre surf et cascade. Ah ouais, c'est bon. Ça s'estompe. Physique et spécial, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, il rayonne et c'est bon, on le met KO. Il fallait surtout pas faire ça. En plus, maintenant qu'il n'y a plus les rayons du soleil, normalement. Peut-être qu'il y a ce cascade, ça l'aurait peut-être mis KO en un coup. Un coup critique. Pourquoi pas. Alors à présent. Donc, ça c'est Noctalie. C'est ça? Attendez, je sais plus. Ombre, normalement. Ouais, voilà. Noctalie. Soumission. Non, c'est pas soumission, c'est. C'est quoi déjà? Par la mémoire, c'est pas possible. Sacrifice, voilà. Bon, lui il va m'énerver. Est-ce que cascade ça serait pas un peu mieux? Bon, ok, je suis en pause, mais c'est pas grave ça. Allez, vas-y. Attendez, Noctalie, Noctalie, Noctalie. Bon, on va changer parce qu'il va me gonfler. Parce qu'il est bon en défense ce Pokémon. Soit défense ou défense spéciale d'ailleurs. On va amener Suki, c'est peut-être pas le mieux. Voilà, si c'était bien ça. Et on va faire Draco Souffle. Voilà, ça c'est une bonne attaque.
Et en plus, il attaque en premier. C'est vrai que Noctali est pas très rapide. Bon, il est paralysé, c'est déjà ça. Ah oui, statique, c'est vrai. Pas statique, synchro. Synchro. Haha. Bah écoutez, je vais peut-être garder mon statut paralysé au moins. On est tous les deux paralysés, mais comme je suis plus rapide, j'attaquerai avant. Et au moins, je peux même faire empoisonner. On va continuer de raconter le souffle. Je sais que ça va pas aller bien loin, mais bon. Ok, ça va, tu veux te la jouer comme ça, y'a pas de soucis. Je peux m'échapper, y'a pas de problème. On continue. Moi, je n'abandonne pas. Si facilement. Voilà, tiens, il voulait faire abri. Eh ben non. Pour l'instant, il m'a pas touché. Je sais pas ce qu'il attend. Ha ! Vraiment pas de chance. Y'a pas à dire, j'ai une attaque. J'ai une attaque combat que sur Tartare et en plus. Ah non, 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 tu me le mets KO là, s'il te plaît. Attendez, est-ce que c'est faisable avec son reste? Il va se protéger, j'en suis sûr. Putain. Bon écoutez, il me reste une guérison, je vais l'utiliser sur Tartare. Parce que là ça me gonfle. Il m'attaque pas, il m'énerve. Allez sac. Je crois que j'ai encore des. Voilà. Je me souviens de la ligue, j'ai des petits sourires. Voilà, on fait ça. Hop. On peut faire les vœux tant qu'il veut se protéger, je me tape. Même faire toxique après tout. Ah mais oui mais putain il faudrait qu'il crève. Mais il est pas sérieux. Sac. Je m'en fous, il a quand même empoisonné. Allez fais tes vœux. Non mais c'est n'importe quoi ce combat. Même pas changé, il peut pas me le mettre KO. Attendez, il a reste. Non, il a pas reste. Il a vœux, il a abri, il a toxique. Il a bien une attaque qui touche quand même. C'est pas possible. J'ai l'impression que non. Hein. S'il me fait à chaque fois des vœux, là on va jamais y arriver. Attendez, il faudrait que je lui baisse. Je peux lui baisser son attaque, mais je vois pas l'intérêt. Oh mon dieu. Tout à l'heure j'aurais pu le mettre KO s'il avait pas fait abri là. Je pensais pas qu'il allait avoir vœu. Bon le combat va durer longtemps, je vais le couper. Voilà, je vais le couper, ça va. Et ben enfin, c'est pas croyable. J'ai dû mettre l'autre, il m'a fait toxique sur mon Latias. C'est pas lire esprit ça. Si je suppose un Mind Wonder. En fait, dire esprit, je crois que ça permet de pas rater l'attaque. On va pas la prendre. Ouais, c'est pas grave. Et donc, j'ai attendu que Latias meure pour amener Tartare. Oh mon dieu, c'est affreux ce Pokémon. C'est vraiment affreux. Grrr, je jure que la prochaine fois que nous verrons, j'écraserai tes Pokémon tellement fort qu'ils ne seront même pas capables de combattre encore. Oh, c'est méchant ça. Bien, tu m'as battu. Tu peux prendre cette CS que j'ai trouvée. Ah, chouette! La CS Cascade. Génial. Ouais, est-ce que tu as vu les endroits sombres? Tu peux aller plonger. Ah mais il faut avoir le badge. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va quand même continuer. Non, je vais quand même aller les soigner. Voilà. Pourquoi il n'y a pas les bruits? Bizarre. Et on va vite aller faire un tour en haut. Et après on arrêtera l'épisode. Je suis vraiment désolé mais je peux pas durer super longtemps. Épisode de transition, là en ce moment j'ai pas mal de choses à faire, j'ai des concours à passer, j'ai mon année à réussir, j'ai bientôt mon stage qui va commencer, alors ça va être embêtant parce que j'ai un stage de 2 mois, et 2 mois, est-ce que je fais des vidéos en avance? Sûrement, mais il n'y en aura pas des masses quoi. Donc peut-être avec mon ordi portable je peux faire quelque chose, je peux en enregistrer parce que je serai pas chez moi en fait.
On verra. On verra, mais à mon avis, ce sera plutôt une vidéo par semaine. Alors. Ou peut-être des lives. Ah non, je pense pas. On va venir en griffe, parce que là, il a l'air d'avoir un combat. Bon, si on pouvait l'éditer, ça serait mieux. Et mince. Je suis caché et tout. Hé, toi là-bas! Ah d'accord, il faut. Oula. C'est quoi cette musique? Il faut en battre 6. Oh, ça, t'en as qu'un. Bon, lui, on va lui faire aéropiquer. Aéropique. Allez, allez, fais-moi tes danses là, c'est pas grave. Je vais te mettre KO. Ah, presque. Il se soigne. Super potion. Si tu veux. C'est pas plus mal au final. Ok, reflet. Bon. Mais non, mais ça rate jamais, donc c'est bon, on s'en fiche. Bon, bah, je ferai pas les 6 combats, hein, ça c'est sûr. Waouh, bien joué, ok. Faites voir un peu, ils sont. On peut passer par là. Ah ouais, non, d'accord. Oh, une lettre orange. C'est génial. Voilà, donc on va s'arrêter là. C'est quoi ça? Eh. Voilà, on s'arrête ici. Avec ma belle équipe. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Très vite, non, en fait. je sais pas quand est-ce que je le tournerai. Mais bon, on verra. Bon allez, sur ce, portez-vous bien et puis à la prochaine.